Bonjour, bonjour! Il y a une nouvelle mise à jour qui arrive demain sur Clash Royale. Du coup, dans cette mise à jour-là, il va y avoir pas mal de choses. Il y a quatre points principaux qui vont se passer. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un récapitulatif de celle-ci le plus simple possible et le plus rapidement possible également. Donc en 3 minutes, top chrono de la mise à jour. Et on est parti, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Alors, ladder. Il y aura un nouveau système de ladder. Il y aura également des nouveaux modes de jeu, il y aura un nouveau sort et il y aura des nouveaux skins. Le ladder, en quoi ça consiste exactement? Donc ça c'est le principal, hein. C'est le premier truc qui va vraiment changer votre expérience de jeu. Il y aura un système de paliers. Donc les paliers c'est quoi? C'est dire en fait quand j'atteins une certaine zone de trophée, prenons par exemple 4000, une fois que j'atteins 4000, en fait je peux pas redescendre en dessous. Et une fois que j'atteins ce palier, je gagne des récompenses. Comme vous pouvez le voir sur ma droite, vous pouvez gagner des récompenses par exemple à 100, 150, 200, 250 trophées. Et dès que vous atteignez une zone, en fait, hop! Vous gagnez la récompense qui est liée. Si vous êtes déjà très haut quand la mise à jour est mise en place, vous avez gagné toutes les récompenses jusque-là. Il y aura également plus de trophées, donc ce sera plus facile d'aller plus haut et de gagner les récompenses. Il y aura également des boosts de coffres qui sont présents dans les récompenses. Donc potentiellement, vous pourrez avoir pas mal de boosts et bah, avoir les coffres deux fois plus rapidement. Hein. Si vous savez, comme quand il y a des boosters et que vous pouvez acheter du coup ces boosters-là. Mais du coup, la modification, c'est qu'avant, il y avait un coffre de fin sur le ladder. Maintenant, il n'existe plus. Et en fait, ce sont ces récompenses-là qui priment, qui seront du coup, reset, remise à jour à 4000 à chaque fois qu'il y a un nouveau mois, un nouveau ladder. En tout cas, j'ai super hâte. Il y aura également une refonte de l'interface graphique. Ça risque vraiment de promettre un maximum. Ensuite, bon, je vais aller rapidement sur le prochain point, mais il va y avoir du coup des modes. Les modes, ils consistent en quoi? Donc, c'est un mode où il y a des captures d'élixir. Donc, vous pourrez avoir de l'élixir en allant sur les lanes ou en tuant un extracteur d'élixir au milieu. Il y a le mode méga deck. Vous pourrez construire un énorme deck avec plus de 8 cartes, hein, donc avec plein de cartes dedans. Et il y a le mode Dragon Hunt où en gros, vous tuez un œuf et celui qui arrive à tuer l'œuf le premier, il débloque un dragon de son côté. Donc ça risque d'être assez fun, c'est beaucoup, hein, trois nouveaux modes, donc ça risque d'envoyer. Il y a également un nouveau sort qui risque d'être game changing, hein. Ça change beaucoup de choses un nouveau sort, c'est le sort de séisme. Donc il ne touche que le sol, il ralentit les troupes au sol de 35%, il dure 3 secondes, c'est une carte épique qui coûte 3. Ok, en termes de dégâts, il fait 61 par seconde aux unités et 244 à tout ce qui est bâtiment. Donc 61 par seconde, ça fait 183. 183, pour vous donner une mesure de grandeur, c'est moins qu'un esprit de glace, donc ça ne pourra pas tuer un esprit de glace. Ça ne pourra pas non plus tuer le bouclier des gardes, donc vous savez, les gardes qui ont le bouclier épée d'épée. Mais ça permet de tuer tout ce qui est squelette, gobelin à lance, gobelin à dague. Par exemple, un squelette, c'est 69 points de vie, donc comme vous pouvez le voir sur l'image juste à ma droite, les squelettes de vos ennemis, ils meurent presque, il leur reste 8 points de vie en fait après ça, et donc par contre ça permet de tuer une pompe où, là où elle peut faire qu'un seul tick pour seulement 3. Donc ça c'est vraiment fou, hein. Ça contre très bien les bâtiments. J'ai peur pour les Arcanix 2.9 et ce genre d'archétype qui se base sur les bâtiments, ça risque vraiment d'être très compliqué pour eux. Mais après, à voir si le sort de séisme arrive vraiment à se faire une place dans la méta, ce qui n'est pas forcément évident juste à voir la carte. En tout cas, 732 sur les bâtiments, c'est vraiment énorme, c'est vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, cerise sur le gâteau, nous aurons quoi? Nous aurons des skins! Il y aura des nouveaux skins pour la roquette, l'armée de squelettes, l'œil de barbare, le fût de squelette, l'archer magique et les apis. Et donc, je vous donne par exemple un exemple de comment ça donne sur la roquette à ma droite, mais ça a vraiment envoyé, c'est vraiment super beau. Et donc, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous exprimer, me dire ce que vous en pensez, vous, de la mise à jour. Moi, pour ma part, j'ai vraiment super hâte, j'adore tout ce qui est nouveau. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à demain et je vous souhaite une excellente journée et une excellente mise à jour.